Tu crois qu'il respire encore? Aucune idée. On devrait sortir pour voir. Là. Laisse-le encore mariner. Qu'est-ce qu'il a fait, souvent? Moi, je m'en fous. Moi, tu poses des questions, mieux c'est. Bon. Debout, l'ami. C'est qu'il a bien failli nous claquer entre les doigts. On en remet une couche. C'était que l'échauffement. T'inquiète pas. C'est pas fini. On recommencera plus tard, d'accord? Allez, par ici. Lève-toi. Monte là-haut. Lève-toi. Allez, faites pour rêve. Ces détenus sont tous sales. Aucune idée. Je suis pas là depuis longtemps. C'est l'heure de votre bain, Milord. À ce rythme, je doute qu'ils tiennent le coup très longtemps. Bon, vas-y. Que quelque marche. Là, c'était pas compliqué. C'est reparti. T'es prêt? Putain, droite mon jeu. Ugh.
Calme, mec. Pas un mot. Entre. Ferme-les. Si on discutait un peu plus tôt. C'est bien toi, hein? Le détenu dont tout le monde parle. Il n'y a qu'un seul moyen de sortir. T'es un mort en sursis. Tu devrais pas quitter les catacombes. La ferme. Très bien. Bon, c'est des funérailles, pas les miennes. Bouge. Attention. C'est pour ça qu'on a des ordres tirés à vue. Il est armé! Il est armé! Nous avons l'ordre d'ouvrir le feu! Oh, les carreaux! Ah!
Rendez-vous vite, monsieur. Le prochain tir sera très concret. Rendez-vous et vite! Les mains en l'air, vite! Les mains en l'air! Plus un geste! Quoi? Ne fais pas ça! Rendez-vous, vous dis-je! Les mains sur la tête! Vous avez osé trahir notre ordre! Nul n'échappe au châtiment! Vous oubliez, grand chancelier. Je suis déjà un homme mort. Galahad ! Galahad, tu me reçois ? Galahad, réponds, ici le commandement. Je t'entends, Perceval. On fait une petite balade au parc, hein ? La fraîcheur londonienne matinale stimule vraiment les sens. Je ne veux pas perturber ta promenade, mais plusieurs cibles ont été confirmées sur Grosvenor Square. Quels sont les ordres ? Va à la United India House avec Ygraine et Lafayette pour circonscrire la menace. Tu l'as en visuel ? Devant moi. Parfait. Évalue la menace une fois sur place et avance prudemment. Est-ce que Nicolas t'a fourni de l'armement ? Oui. M2, Falcon Essex. Bien. La fonction secondaire du Falcon devrait aider. Nous avons certes affaire à des fous, mais il n'en reste pas moins des civils. Utilise la force non létale si possible. Compris. Tu nous rejoins ? J'ai une petite affaire à régler. Je vous retrouve après. Bon, en route. Terminé. Bonjour.
Bonjour, messieurs. Sous l'ère du Terre Pendragon, alors qu'il était roi de toute l'Angleterre, et régnait en tant que tel, vivait dans les Cornouailles un puissant duc, qui depuis longtemps défiait son autorité. Cet homme était le duc de Tintagel. Le roi Uther demanda un jour qu'on lui présentât ce duc, accompagné de son épouse, laquelle était réputée pour sa beauté et sa finesse d'esprit. Elle s'appelait Ygraine. Traitait-elle de grand seigneur, le duc et son épouse furent ainsi présentés au roi. Il les reçut avec les plus grandes attentions et apprécia la duchesse plus que de raison, à tel point qu'il finit par nourrir le brûlant désir de partager sa couche. Femme de très grande vertu, celle-ci se refusa toutefois au roi. Elle en informa alors le duc, son époux, et dit « Quel déshonneur que nous ayons été envoyés ici dans ce seul dessein !»« Pour cette raison, mon époux, je recommande que nous quittions cet endroit sur le champ et que nous profitions de la nuit pour rejoindre notre château. » Je descends la rue en ce moment. Compris. Galahad, Ygraine, des nouvelles de Lafayette ? Négatif. Idem. Il est probablement en train de batifoler. Enfin, toujours fidèle à lui-même. Je comprends ton inquiétude, mais crois-moi, il saura se débrouiller. Si tu le dis, je n'ai pas le temps de partir à sa recherche. Je vais affecter les inspecteurs à leur poste. Prenez votre souffle calme. Bien, voilà qui est déjà mieux. On dirait qu'il a du mal à respirer. Oui, monsieur l'agent, excellente déduction. Un peu d'eau lui ferait du bien. Cet homme n'a pas besoin d'eau, il est asthmatique. Vous êtes docteur, madame ? Non, mais mon père l'est. Et j'ai vu des tas de patients atteints dans ce cas. Officier, cet homme doit absolument voir un monsieur. Ne cherche qu'à nous protéger. Malheureusement, tout le personnel médical est actuellement. Galahad, veille à boucler tout le secteur et en silence. Comment es-tu arrivé aussi vite ? Le talent. Je dois admettre que tu te déplaces plutôt vite pour ton âge. Aucun chevalier n'aime qu'une demoiselle lui rappelle sa décrépitude. Messire,
La demoiselle n'aurait pas le cœur à commettre une chose pareille. Bien sûr, Izzy, c'est pas ton genre. Qui sont les cibles ? Des aliénés qui se déchaînent. Perceval pense qu'il s'agit d'une ruse des rebelles. J'espère que tu n'as pas perdu la main. N'oublie pas qui t'a formé. C'était le meilleur. En son temps. C'était. Tu assures toujours. Pas autant que moi. Bien, madame. Ygraine, réponds. Bien reçu, Perceval. Fugitif multiple repéré à l'entrée est de la station souterraine de la United India. Agissez avec prudence. Compris. Viens, Gray. En route. Ils sont plus à même de lutter contre les dangers qui rôdent dans et hors de la ville. Si seulement quelqu'un pouvait nous tenir informés de ce qu'il fait. Quand on y sera, ne laissez personne passer. Vous n'avez pas besoin d'aide, ma belle. Vous voulez dire un homme pour prendre les choses en main? C'est ça. Ne traînez pas dans nos pattes. Vous pourriez prendre une balle perdue. Des ennuis? Les mercenaires à la gâchette facile? La United India Company préfère les sbires enthousiastes. On n'a vraiment pas besoin d'une bande de mercenaires venus semer la pagaille. Je leur ai dit de rester en retrait. Galad, à couvert. C'est parti. Cible anéantie. Sergent. C'est bon. En avant. Sortez d'ici, trouvez des armes! Vous deux, ramenez-vous vite ici, venez m'aider! Allez! Allez! C'est parti, bande de bâtards! Un fusil sera plus approprié. Fugitif à terre! D'autres fugitifs dans la ruelle. On les aura! Certains se dirigent vers l'atrium. Que je recharge. Rue nettoyée. Il y en a d'autres dans la cour. Oh, des escaliers. Ennemi à terre. Je recharge. Fugitif neutralisé.
cible anéantie. On devrait vérifier. C'est verrouillé. J'entends du bruit à l'intérieur. Vite, d'autres fous à l'intérieur. Tire maintenant. Ça va ? Mon sang ! Bon sang, c'est une boucherie ! T'es prête ? Dégageons ces ordures ! Des fumigènes. Ok, on y va. Il faut que je recharge. Il vient sur nous. Il y en a un ici. Recule. Il y en avait d'autres à l'étage supérieur. Nous devons y aller. Compris. Allons au deuxième étage. Tout se passe comme prévu, alors ? Presque. Encore une matinée ordinaire à Londres. Eh oui. J'espère que ça ne fait que commencer. Honneur aux dames. Silence. Tu crois qu'on aura la chance de buter quelques bourgeois ? Hein ? N'en dis pas plus. Je prends ça pour un oui. Putain. Oh putain. Merde.
sécurisé. Je recharge. Cible anéantie. Vous deux. Chef, descendez. Il y a des civils en détresse. Oui, chef. Chef, le général Lafayette est à côté. C'est une blague. Est-ce qu'il y a une femme dans cette ville qu'il ne va pas séduire? C'est ton problème. Essaye de pas t'attarder. Lafayette! Ah, monsieur, cette demoiselle requiert mon attention. Marquis, ton attention est requise ailleurs. Soyez sûre, mademoiselle, que seul mon vœu de fidélité m'empêche d'accepter votre invitation. Oh, Marquis, ne partez pas ainsi. Hélas, mademoiselle, mon devoir m'appelle ailleurs. Ravissante, n'est-ce pas? Je n'avais pas vu. C'est parce que vous n'êtes pas français. Tu es le plus américain des Français que je connaisse. Je suis un amoureux de la liberté, mon ami. Un vrai chevalier doit réfréner ses passions. Sans passion, monsieur, un homme ne peut combattre. On ne combat pas des hommes, Marquis. Homme hybride, quelle importance. Vive la liberté! Perceval. Étrange. On y va. Pas trop tôt. Marquis, prenez cette entrée avec Dame Ygraine. Je prends celle-ci à la recherche des derniers fugitifs. Oui, monsieur. Monsieur. Quartier général à tous les chevaliers se trouvant à proximité de mes fers. La police vient de boucler les zones concernées. Les sentinelles continuent de patrouiller. Nous vous alerterons si nous repérons les patients en fuite. Compris. Faut absolument que tu vois ça. Wix, bouge
tu es rendu? Dans la salle des générateurs. On a décidé de se séparer avec Lafayette pour nos recherches. Oui, mademoiselle. Mais je n'ai pas rencontré de résistance. J'étais sûre de te battre sur ce coup. N'oublie pas, les jeunes gagnent toujours. Mademoiselle, êtes-vous proche de lui? La route est bloquée. Il va falloir du temps pour le rejoindre. J'ai presque tout su. Le dernier s'est enfui. Irène, ton électrofusil. Je remonte au niveau de la rue et je le suis. Partez par là et interceptez-le. Compris. On y va.
fait passer. Sortez, allez! Tout le monde va bien? Oui. Perceval, menace neutralisée ici. Bien. J'ai réussi à capturer l'un des hybrides. On se retrouve sur Regent Street. Bien reçu. On y va. Qu'est-ce qu'on doit faire avec lui? Westminster, les catacombes. On s'occupera de lui plus tard. Ah, Sir Perceval. Je pensais bien que l'Ordre des Chevaliers de Sa Majesté était impliqué. Nous soupçonnions une incursion rebelle, commissaire. Conjecture élémentaire. En ce cas, ceci vous intéressera peut-être. Whitechapel. Rien de tangible, bien sûr. J'appelle ça une preuve. Les preuves indirectes peuvent se révéler retorses, mon cher Sir Perceval. Elles pointent dans une direction. Mais changez votre point de vue et vous réaliserez qu'elles pointent de façon tout aussi convaincante vers toute autre chose. Bien. Partagez vos théories avec moi, commissaire. Il y a la rébellion, puis ce Jack, ainsi que l'éventreur. Mm-hmm. Puis ceci. Étrange, n'est-ce pas, que Whitechapel se retrouve au cœur des... des récents démêlés. Il faut étudier le moindre indice, voyez. Le Conseil se réunit dans 2 jours. Si vous nous faisiez l'honneur de présenter vos découvertes. Comptez sur moi à Westminster. Par ici, chef. Excusez-moi. Où étiez-vous? Le trafic londonien. Mon général, que fait-on des hybrides qui se sont enfuis par Hyde Park? Poursuivons-les. Non. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requise au moment opportun. Oui, mon général. Je me souviendrai du conseil. Vous conviendrez sans doute que pour le moment, cette affaire concerne la police. Bien sûr. Quelque chose cloche. Il paraît que la pègre de Whitechapel abrite la rébellion. C'est justement ce qui m'inquiète. Pourquoi trouve-t-on tant d'hybrides à l'asile? Nous devrons le découvrir par nous-mêmes. Le commissaire Doyle dit que la police se charge de l'affaire. Les chevaliers ne renoncent pas à l'autorité pour des ronds de cuir. Perceval a raison. Il faut porter cette affaire au Conseil.